Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de À l'aventure sur la map Zelda Adventure. Je suis Aquasis. Dans le dernier épisode, j'ai eu un mal absolument incroyable à atteindre le cinquième donjon, entre la traversée du désert puis les bois perdus. J'ai perdu beaucoup de temps, ça plus les bugs, etc. Mais je suis de retour. Non pas pour vous jouer un mauvais tour. Donc... Ah merde. Ouh. Ah putain, c'est bon ça pour son... Ah ouais. Attends voir... Ouais, bon, non, il vaudrait mieux que j'évite de gâcher mes bombes pour une connerie pareille. Bon, je ne peux pas y entrer. Apparemment, donc, d'après ce que j'ai compris, dans tous les Zelda Adventure... Enfin, toutes les Adventure... les maps Adventure Craft Zelda que j'ai trouvé, ces blocs ne peuvent être poussés qu'avec le gant de puissance. Donc, à mon avis, ça va être l'objet du donjon. Donc déjà, j'ai cette info en tête, c'est déjà pas mal à savoir. Au moins, si j'arrête quelque chose, bon, tant pis, hein, je me suis un peu mal. Alors, ouais, bon, je suis presque mort. Et alors bon. Donc là, j'étais là, je vais là. Là, tu vois, le truc pratique, ça aurait été d'avoir mis un fond d'eau en bas. Ça, on se jette et on gagne du temps. Mais non. Oh. Oh, putain. Oh, oh putain. C'est une réplique de la salle du temple de la forêt dans Ocarina of Time. Oh, c'est génial. Avec les quatre torches allumées à aller tuer les sœurs fantômes. Et normalement, donc, la salle du boss sera en bas. Bon, bah, au moins, là, si c'est une reproduction, je saurai où me repérer. Là, c'est déjà ça de gagner. Ouais, là aussi, c'est vrai, normalement, il y a une porte avec une sculpture qui est là. Donc, tu rentres. Et ouais, bon, c'est pas tellement pareil. Dommage. Là, tu vois, ça m'a cassé mes rêves. Là, je me suis dit, ça y est, je vais refaire le même donjon. Ça y est, ah, je suis trop content. Bon, bah, au moins, cet épisode commence par une déception. Et par le fait que je vais bientôt mourir. Bon. Alors. Oh, putain, quoi. Truc de liane. Le pire truc qui soit. Ah, mais voilà, regarde, tu vois. Quand tu t'arrêtes pour sauter, tu as toujours l'impulsion du saut, ce qui fait que tu continues. Il faut que tu te mettes en A, il faut que tu appuies sur le bouton arrière, enfin le bouton que tu utilises pour l'arrière, mais c'est pas possible parce que sinon, voilà ce qui se passe. Hop, tu as du mal à te stabiliser. Enfin là j'ai réussi, je sais pas comment d'ailleurs. Tac. Reste là du camp. Alors, par où je vais moi? Ah wow. Oh. Ok, donc bon bah là c'est la dernière chance. Attends, j'ai pas une pomme ou un objet pour me soigner. Non mais bah... Pff. Ah, je suis deg là. Bon, attends. Et hop. Ouh là là. Ce fut limite. Ah putain, mais il faut une maîtrise de ces sphincters quand tu vas là-dessus, c'est affreux. Oh non, je vais pas me dire qu'ils reviennent. C'est quoi? Ça me casse les couilles. Alors voilà, on va y aller comme ça. Allez. Bam. Voilà, ça m'énerve, alors je frappe dans le tas. J'ai envie de garder mes cœurs, bordel. Je vais suffisamment déjà les perdre avec cette énigme à la con. Non mais j'arrête pas de faire des montages. J'arrête pas d'avoir des bugs dans cette série. Je n'arrête pas. Ça commence à devenir pitoyable là. Déjà qu'entre mon intro foireuse, mes commentaires foireux, et maintenant si même les vidéos deviennent foireuses, c'est bon là, j'ai plus qu'à mettre la clé sous la porte. J'ai qu'un petit public, mais putain, j'ai envie de le satisfaire, moi, j'ai pas envie de faire de la merde. Non, tu ne tombes pas. J'ai dit que tu ne tombes pas. Je vais tuer ta famille, même si t'en as pas. Je vais t'en inventer une et je te la tuerai ensuite. Oui, Link. Encore une. Allez, tac, tac. Oui, le power brassé, génial. Alors, tu move the cube, use the power glove. Push right click. Pull, control right click. Ok, et donc, pour tirer, c'est contrôle tirer. Voilà, ok.
J'ai mémorisé. Le problème, par contre, c'est que... Et le bruitage, alors? Moi, je suis désolé, mais quand j'ai gagné un truc, je veux entendre le ta-da-da-da, je veux... Je suis un client satisfait, moi, toujours. Ah oui, moi, je veux la perfection. Ah oui. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'il vous est toujours possible de me proposer des maps de Adventurecraft ou même des maps tout court, que ce soit vous qui les ayez fait ou non. Je suis là pour ça, je suis là pour satisfaire mon public. Si vous avez des envies, des propositions, si vous voulez faire connaître vos maps, même si vous ne risquez pas de les faire connaître avec moi vu que presque personne ne me connaît, mais ce serait toujours ça de gagner. Vous pouvez toujours me demander. Je suis là pour ça. Bon. Allez, les trois araignées, pour la troisième fois. Enfin non, maintenant il y en a quatre. Sérieux, elles attendent même pas leur tour. Elles y vont toutes en même temps. Aucun savoir-vivre. Ah non, faut que je tire. Alors. Tac. Tac, tac, tac. Et il faut que j'utilise ce bloc pour monter. Pas de problème. Et voilà. Donc maintenant. Ah putain, merde. Ça aussi, ça va être chiant. Ah! Ah! Oh putain, le bug. Oui! Le bug de mes rêves. Il m'a sauvé la vie là. Bon. Maintenant que ça c'est fait. Aïe. Maintenant que j'ai récupéré la clé, je peux descendre. Là j'en ai marre. Voilà. Pas grave. De toute façon ça m'énerve. Alors. Ce n'est même pas là en plus qu'il me la faut. Enfin je sais pas. Il y avait quoi d'autre sinon dans cette salle? Ah oui si si c'est là qu'il y avait la clé, je suis con. Plus d'être con, d'être nul, de pas savoir faire des vidéos. J'ai une mémoire de poisson rouge. Ah non mais c'est bon là, j'ai rien pour moi, sérieux. Si, peut-être un comique pathétique. Et encore. Ça reste à voir. En même temps, je suis tellement pathétique que c'est clair que les gens qui regardent ces vidéos doivent bien se marrer. Bon, alors, on va y voir. Oh! Oh putain! Ah, ça fait peur! Sur le coup, ça surprend, hein? Voilà. Des araignées dans le noir. J'ai peur. Bounce. Die, you bitch. Biatch. Ah, putain, il y en a encore. J'aime pas les salles sombres. Ça fait peur. J'ai peur, maman. Donc, tu meurs, ouais. Comme par hasard, un bloc apparu, ça m'a... Enfin, le levier étonné. Enfin, le levier apparu, ça m'a pas étonné, voilà. Oh, dommage. Ça aurait été bien qu'on tue un mob spécifique. Oui, bon, ok. Parce que j'avais envie de me battre contre les sœurs fantômes. C'est dommage qu'il ait pas suivi complètement le truc. Au lieu de nous donner le Power Glove comme objet, mais l'arc, comme dans le donjon original. Et d'ailleurs, on a toujours ces putains d'yeux, mais je ne sais toujours pas ce que c'est. À chaque fois, il va falloir que je revienne pour aller les activer, je ne sais pas ce que c'est. J'ai toujours... D'ailleurs, j'ai toujours un gros quota de flèches, mais sans explication. Oula, alors attends, par contre, là, ça va être compliqué. Hop. Ah bah non, c'est pas compliqué, je vais faire comme ça. Tac. Ah putain, faut que ça se réinitialise. Ah! Voilà, j'ai compris. C'est là pour nous aider à ce que ça se réinitialise. Ah, en fait, je crois que non. Bon bah tant pis. Putain. Je suis dans la merde là pour faire cette... Attends, je fais comme ça, tac, tac. Tac. Ben non, attends, il doit y avoir un... Attends. Pour... là-haut. Réfléchis. Oui, tac.
Tac. Mais non, tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Je suis désolé, ça a pas l'air d'être possible. Non mais le truc c'est que... Attends, pourquoi il y a ces pics au centre de la salle? Est-ce que si je jette un bloc dans le pic, ça va faire quelque chose? Ouais non, ça l'a fait partir. Sans intérêt j'ai l'impression. Attends, si je les fais tous disparaître, est-ce que ça va réinitialiser la salle? De toute façon au pire je peux sortir du donjon et rentrer. S'il y a ce truc de pic au milieu, c'est pas pour rien. C'est trop facile à esquiver. Ah mais en fait il aurait peut-être fallu que j'utilise d'autres blocs venant de là pour faire une grosse tour. Ouais non non ça aurait pas été possible en fait. Non, ça aurait pas été trop possible. Enfin si c'est peut-être possible, j'en sais rien. Bon, je fais tout ça mais j'ai un peu l'impression que ça va servir à rien. Mais c'est peut-être qu'en fait en les détruisant tous ça va se réinitialiser. Comme ça au moins j'apprends un peu plus à maîtriser le Power Glove. C'est pas plus mal de savoir utiliser ces objets. C'est un peu la base des jeux Zelda, même si là on parle vraiment... Oui, si on parle d'un Zelda quand même. Presque. Ah zut, j'ai fait tomber mon épée. Bon. Ben voilà, je les ai tous détruits. Bon, ben je crois que j'ai fait une connerie. Qui ça étonne? Bon, ben je crois que je n'ai plus qu'à ressortir du donjon, attendre que ça se réinitialise. Ou alors je triche et justement je remets les blocs comme ils étaient. Ouais, je vais remettre les blocs comme ils étaient. Hop. Debug mode activé. Je ne sais pas ce que c'est que ces machins. Alors, F7. Heureusement, je me rappelle encore comment ça s'utilise, ces trucs. Alors, oh, ça a changé depuis en tout cas. F7, F8. C'est quoi ça? Des rails? Drôle de skin. Alors, voyons voir. Le bloc en question, il est... Je refuse de tricher autrement que de cette manière. Ah, je refuse. Overlay, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et j'avoue que c'est un peu le cadet de mes soucis. Alors oui, le bloc... Je le vois pas. C'est pas beau ce que je suis en train de faire. J'avais dit que je tricherais pas. Enfin non, je triche pas. C'est juste que j'évite de retourner au début de donjon pour que ce serait initialisé. Bah, il n'y a pas le bloc ou quoi? Enfin, c'est moi qui ai du mal à le voir. C'est quoi ça? C'est un map spawner? Pourquoi il y a des map spawners en l'air? Qu'est-ce qui va encore me tomber sur la gueule? Ah, voilà. Des pushable blocks. Voilà. On va en mettre là. Voilà. Après, je vais détruire cet objet que j'ai dans ma main. C'est juste pour éviter d'avoir à refaire jusqu'au début. Pour vous épargner ça au moins, comme ça au moins vous voyez deux secondes au moins que on peut tricher si on veut, on peut aussi utiliser la commande de fly et que vous avez vu, je l'ai à disposition mais je ne le fais pas. Alors attends, je vais détruire cet objet. Ah, faut que j'enlève le debug mode F4. Voilà, nous y revoilà donc. Non non non, alors l'épée est là. Et le gant est là. Alors donc, attends. Si j'utilise ce bloc là. Voilà. Tac. J'ai pas un accès au truc. Mais au moins c'est bien. Non, j'ai pas d'accès. En fait, quoi que je fasse, j'ai... Attendez, non! Mais je réalise, il manque quelque chose! Parce que quoi que je fasse, ça ne sert à rien. Je ne peux pas empiler trois blocs, c'est pas possible. Et je n'ai pas... Non, apparemment, j'ai dû zapper quelque chose. Ah là 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 là! Qu'est-ce que c'est galère, ce truc! Attends, il y a deux salles ouvertes. La première, c'est là d'où viennent les pushable blocks.
En haut, il n'y avait un... Eh b. Ah oui, non, il faut pas les avoir sur le dessus. Donc si je résume bien, oui, bon, il y a ces connards. Mais si je vais là-bas, fous-moi la paix. Il y avait cette maudite salle. Oh putain, non, il va falloir que je recommence. Oh bah tant pis, écoutez, hein, au moins. Ça, je leur ai fait des dégâts, ou deux. Oh zut. Dernière bombe. Ouah, le coup de lag, horrible. Bon, j'en ai marre de friser tout le temps comme ça, de cette connexion de merde. D'ailleurs, à force de commenter ce que je fais depuis tout à l'heure, je commence à avoir mal à la gorge. D'où il vient lui? Ah, c'est le monde d'en bas sur moi. Il y avoir un truc. Merde. Peut-être parce qu'en fait il faut juste que je saute là où il y avait le mob spawner. Non, ça fait rien de toute façon, et là je ne peux même pas l'atteindre. Là à la limite, oui, je pourrais peut-être atteindre le truc. Oui, oui, oui. Il faudrait pour ça que j'arrive à pousser les blocs. Attends, il faudrait que je mette en place... Ah oui, je sais, c'est bon. Je sais comment faire. Il faut que je mette en place un système de chenilles, de petits chemins, sur lequel... Merde! Bon bah au moins il en reste un. Je fasse attention et ne pas faire de conneries. Alors, calme-toi. Tu peux y arriver. Alors, le but est de faire circuler comme ça le bloc. De telle sorte à ce que il ne tombe pas et que je puisse ensuite l'utiliser. Grand moment de tension pour moi, je vous jure là. J'ai jamais eu autant besoin de self-control au niveau de mes sphincters. Yes! J'ai réussi à passer. Ah, et je pouvais faire pareil de l'autre côté, c'est pour ça. D'accord, d'accord. Écoute, c'est quoi? D'abord, je préfère aller chercher le... Non, d'abord, attends, tant que j'y suis, j'y vais là et quand je reviendrai, je chercherai le coffre. Putain, j'ai pas cette bombe. Ah, d'abord. The boomerang is your alley, non, jure. Bombs are... Boomerang are making one. Quoi? J'ai pas compris. Ah, je crois que je sais. Alors attends. Je ne pense pas que ce soit ça. Ce serait tordu si c'était le cas. C'est ça. Ah là j'ai tout trop bien fait. La dernière, allez. Explose putain de merde.
c'est pas facile, faut du timing. Mais bon, comme c'est un spawn d'objets, eux reviennent à chaque fois normalement. Bon, je dis bien normalement. Il faut que je sorte bien bien de la salle, que genre que je vadrouille un peu là. Tac tac, je vadrouille. Oulo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 u. Bon, voilà. Est-ce que les bombes sont revenues? Pitié. Bon. Peut-être qu'il y en a dans le coffre. Attends, faut pas que je me plante là non plus, parce que sinon je pourrais pas revenir non plus. Il faudrait que je refasse tout depuis le début. Alors, donc on repart. Sauf que là, je vais faire un chemin plus long. Ça dure plus longtemps. Et que ce soit moins compliqué pour moi. Ok. Ok, donc on fait venir toute l'équipe. Toute la team. Come on! Oh, oh putain, coup de lag. Sauf qu'en fait, ça sert à rien de mettre celui-là là. Ni celui-là là non plus. Voilà. Même si c'est proche du gouffre, que c'est un peu dangereux de la jouer comme ça. Là, vous voyez, je préfère prendre mon temps et faire un bon petit chemin. D'ailleurs, je vais en profiter pour voir si les bombes sont revenues ou si vraiment je dois essayer d'en trouver ailleurs. Bah non, il faut que j'en retrouve ailleurs. Tant pis. Putain, c'est con ça d'être à court de bombes comme ça. Parce que là, ça me bloque. Je comprends pas comment le créateur de la map n'a pu ne pas penser à ça. Parce qu'il faut avouer quand même, les bombes sont une ressource limitée. Et le truc, c'est que je me sens pas de retourner jusque dans le désert, c'est-à-dire refaire tout le trajet inverse des bois perdus, pour aller chercher Tingle et acheter des bombes. C'est pas possible. Déjà que j'ai eu une chance monstre en tournant un peu au hasard dans le bois à trouver une hypothétique solution. Alors surtout ne pas me planter parce que là, si je me plante, je suis mort. Attends, faut que je vois où il s'arrête. Ok, tac. Donc déjà là, tu vois, il a bien avancé. Hop. Surtout ne pas faire de conneries. Ce que j'ai peur, moi, c'est que des fois, ma souris, elle a une tendance à cliquer sans le vouloir, et si jamais ça me faisait tout rater, j'aurais tendance à avoir les boules. Bon, là au moins j'aurais au moins l'excuse de tricher une fois, vous me direz que là un bug technique, je n'y suis strictement pour rien. Là, c'est encore plus stressant. Tu te dis putain, c'est les dernières bombes. Voilà, faudrait que je ressorte et que ça réinitialise le donjon. Mais c'est un peu chiant parce que j'en ai un peu marre de faire les mêmes choses tout le temps là. Alors, hop, alors il y a quoi? Des flèches explosives? C'est une blague? J'ai pas d'arc! Attends un peu. Et si en fait l'arc depuis le début je devrais l'avoir, mais que... Non attends. Réfléchis. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, je vais faire revenir le bloc. Attends, mais il y a bien un donjon où je n'ai pas eu d'objet. C'est justement le donjon... Ah non! Putain! Je vais réinitialiser le donjon. C'est vrai que le coup des flèches explosives, ce serait pratique. Mais j'avoue, depuis le début, je ramasse énormément de flèches, j'en sais même dans les coffres, et je n'ai toujours pas d'arc. Et ce n'est pas normal, normalement je devrais déjà l'avoir. Alors quelque chose me dit que je l'ai oublié quelque part. Le problème, c'est que dans ce jeu, là, les objets ne sont... Contrairement là, comme je suis en train d'avoir la bombe et le Power Gloves, jusqu'à là, ils ne se sont pas montrés absolument, comment dire, indispensables. Donc, là, je vais devoir ressortir encore. C'est génial. C'est la fête. Youpi-yo. Ça va faire encore un épisode à rallonge.
En même temps, au moins, les gens ont le loisir de m'écouter criser. Je suppose que c'est pour ça que vous venez à la base, hein. Oh, mais c'est pas vrai. Là, tu vois, j'aimerais bien dropper un arc sur ces mobs. Ou alors, à mon avis, il faut que je l'achète quelque part. C'est aussi possible, hein. Regarde, dans Link is Awakening, t'étais bien obligé de... il manque pas un squelette. Ah, il était coincé dans le mur. T'es bien obligé de l'acheter. Bon, les trois quarts d'entre nous qui ont eu Link is Awakening et qui connaissaient évidemment la possibilité de cheat. Bon. Ok, donc je suis coincé dans le donjon, ce qui rend les choses encore pires. Ça, c'est encore une très mauvaise idée. Comment je peux faire? Bon, bah, je vais retourner. J'ai une idée. Voilà, et on recommence. Voilà, ça a bien dû réinitialiser quelque chose. Non, ça va par là. Pff, je vous avoue, ça commence à me fatiguer un peu tout ça. Et allez, vas-y le coup de lag. Même pas, ça ne réinitialise rien. Le problème, c'est que là, je suis dans la merde, parce que là, il y a tout qui est cassé. Et ça non plus, l'auteur n'y a pas pensé qu'au fait qu'on ait peut-être besoin. Donc je vais être encore obligé de tricher. Et franchement, là, ça commence à m'énerver de tricher. Je déteste tricher. Sponge? Tu déconnes? Ah, quand même. Je déteste tricher sur les adventure maps. Et là, j'avoue que ça me... contrarie mais à un point inimaginable. Je peux pas en poser un. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'avais oublié de faire le debug mode. Je savais pas qu'on pouvait le prendre comme ça. Voilà. Dégage. Par contre, là, il y a quelque chose que je vous préviens, je me refuse catégoriquement à prendre un arc dans le machin. Là, pourtant, Dieu sait que je voudrais bien. Mais là, attendez, j'ai un problème. Je n'ai plus de bombes, je ne peux plus, je peux plus tracer, je suis bloqué. Je suis bloqué. Je vais être obligé de tricher, là. Encore une fois, je suis bloqué dans le donjon, je ne peux pas réinitialiser. Je n'ai plus de bombes et il n'y a aucun moyen d'en récupérer sur les monstres. Et je suis désolé, voilà. Encore une triche. Génial, j'ai que ça à faire. Pff, sérieux. C'est d'employer l'arc. Donc je vais devoir à nouveau tricher. Mais je me débarrasserai de cet arc une fois le donjon terminé. Parce qu'apparemment on risque d'en avoir besoin. C'est ça, on a besoin de l'arc. Alors, ce que je comprends pas, c'est que l'auteur n'est pas... Enfin, j'arrête pas de le dire, mais comment l'auteur a-t-il pu nous donner l'accès à un donjon sans avoir besoin de l'arc, alors qu'à l'intérieur de celui-ci, on en a besoin, et qu'on peut pas sortir? C'est vraiment n'importe quoi. Donc moi, je vous avoue, là, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que j'étais obligé de faire ça. Donc, dès que je sors, il faut que je... Il faut... Ben, en fait, non. Pff, je vais garder cet arc, finalement. Parce que j'en ai marre. De toute façon, hein, au point où en est la série, là, elle débute vraiment mal. Bon, alors. The picture shows the truth. Ok. Voilà, c'est encore plus simple. Alors. J'essaie d'utiliser l'arc le moins possible, parce que je refuse de garder comme ça sans avoir. Wow! Il y a quoi là-dedans? Mais oh! Mais ça me casse les pieds là. C'est largement possible de l'atteindre même sans les blocs. Oh, si c'est possible.
Ah, presque. Je veux essayer de sans... Non, ce n'est pas possible. Je me dis aussi. On met un bloc ici et c'est bon. Voilà. The lever is used to stop fans. Donc le levier. Ok. Donc il y avait marqué que le levier servait justement à éteindre les. Ah, ce cultivador. Dommage. Je suis où là? C'est un labyrinthe. Oh, comme si j'avais besoin de ça maintenant. Bon, au moins tout est revenu à la normale. Je vais essayer de limiter encore une fois mes fails. Parce que là, ça fait beaucoup trop pour moi là. Je fail trop là, en ce moment là. C'est pas bon. La série est pourrie, mesdames et messieurs. Eh oui, arrêtez de la regarder. Flame est là. Dites-moi de la retirer. Non, s'il vous plaît, mais pas ça. Bon. C'est là que tu sais que t'aimerais bien pouvoir poser des torches justement pour faire un balisage là. Bon, hop, ok, là je vais. Bon bah je suis revenu au début. Génial. Ouais, un rubis. Enfin une bonne surprise. Le rubis. Ouais. Je tourne en rond comme un con. Ok, donc j'essaye de me faire une image mentale. Ça part mal surtout venant de moi, image mentale. Du labyrinthe. Ok, donc là je sais que par là tout est en cul-de-sac. Le couloir s'élargit, c'est peut-être une bonne nouvelle. Je pense que la sortie doit être au milieu. Ah mais je reviens toujours au même endroit, c'est terrible. En fait c'est pas si grand hein. On pourrait croire mais c'est pas grand en fait. Et c'est pas plus mal en fait. Mais... Mais je suis déjà venu là. Mais putain hein, mais... Attends. Toujours la même erreur sans jamais penser à regarder. Pourquoi je ne vais pas dans cette direction? Non, pas par là. Ah, tout de même! Troisième lampe. Et je suppose que pour allumer la quatrième, il faut que je perce l'œil d'une flèche. C'est malheureux, hein, qu'il y ait ce petit problème. D'ailleurs, de toute façon, il faut signaler à l'auteur si on fait une vidéo sur sa map, puisqu'il a fait la liste lui-même des personnes ayant fait justement une vidéo de cette map, qui s'élève au nombre de 206 actuellement, 206 personnes, alors une 207e, hein. Faudra que je lui signalerai ce petit inconvénient-là. À la limite qu'il rajoute un petit obstacle, même minable, mais au moins qui incite le joueur à chercher l'arc. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai le tournis, j'ai envie de vomir. Quoi? J'entends de l'arc? J'ai déjà été là. Non, c'était pas ça. Bah tu vas voir, je vais avoir la phobie de cet arc parce que ça va être la hantise de ma triche. Car j'ai été obligé de tricher. Mais bon, je n'y suis pas pour grand chose. Donc au final, hein, j'ai des circonstances exténuantes. Pardon pour ce jeu de mots minable. Oh putain, quand j'ai eu peur. Un ghast. Je vois, c'est pour ça qu'il m'a demandé de venir. Cache-la. Oh, si tu peux pas me frapper.
tiens, il est où? Bon, de toute façon, normalement, je suis censé avoir l'arc, alors je m'en fous. Voilà. Ah bah ouais, là, ce suit le truc, puisque là, j'ai tué un fantôme. Aïe. Ah, je me suis auto fait mal avec une ma propre flèche. Est-ce que... Oui, on les récupère, elle aussi. Là, normalement, il y a marqué con en gros. Alors, le donjon. Enfin, la fin, surtout. Ah, normalement... Ouais, donc normalement c'est une... Oh, c'est pas fini, comment ça? Normalement c'est une salle circulaire et elle bosse. Il en a rajouté, c'est nul ça. Aïe! Espèce de hooligan. Donc le boss est là. Je vois que le donjon n'est toujours pas terminé. Putain, ça fait déjà des heures que j'y suis. Sérieux, la vidéo va faire 400 ans. Bon. Au moins là, le principe est beaucoup plus simple. Avec la... avec les entraînements que je me suis fait sur mes maps Sprintcraft, je pense pouvoir régler ce petit truc. Sneak. Ah, zut. Ouais, donc non, c'est par là qu'il faut passer. Attends, si je passe pas par le bon endroit aussi, quel con. Hop, tac tac tac. Non. Bah, en même temps, si le lag s'arrêtait 2 secondes, ça m'aiderait pas mal. Est-ce que les liens pourraient m'aider? Non, surtout pas. Je suis arrivé là, mais c'est normal d'arriver là. Ah ouais, non, mais en fait, il aurait fallu que j'aille là-bas. Le truc, c'est que je ne l'ai pas vu, forcément. Déjà qu'à la base, un escalier comme ça, enfin, une échelle comme ça, ça a du mal à se voir. Alors, en plus, avec le texture pack qu'elle a, c'est encore pire ici. Non! Oui! Oh, yeah, oui! Alors, donc, maintenant. Oh putain, c'est pas fini. Oh, fais chier. Voilà. Ensuite, j'ai... Là! Oh. Non, je peux pas aller là. Non, en fait, je peux... Ouais, suivre ce chemin me paraît le plus logique. Je crois. Bon, alors on va essayer. Putain, qu'est-ce que je perds à part du temps? Je suis en vacances après tout, alors j'ai le droit de faire des trucs qui font perdre du temps. Ah oui! Ça me fait plaisir quand je réussis des trucs comme ça. Ouais. Attends, je peux là? Ouais. C'est faisable. Okay. Mais putain de lag! Bah en fait, je peux directement passer par là. Je me suis fiché depuis tout à l'heure pour rien. Mais oh ta mère! Je me demande s'ils auraient censuré mes insultes. Est-ce que YouTube va accepter ça? Bah, je m'en fous de toute façon. Ils acceptent bien ma qualité de merde, ils peuvent plus accepter ma grossièreté. Mais putain, mais je lag trop! À chaque fois que je tourne, ça me fait un freeze. Voilà, c'est toujours, à chaque fois que je suis sur le moment de faire une action... Voilà, là, hop, j'ai encore freezé. Dès que je suis au moment de sauter, paf, un freeze.
que tout à l'heure mon... Mais putain, pourquoi je freeze encore? Non mais ça c'est parce que mon Minecraft, tout à l'heure il a fait un run out of memory. Mais ta mère, c'est pas possible ça! C'est un saut facile, pourquoi tu ne fais pas? Mais c'est pas possible! Je vais utiliser ça. Non, non! J'en ai marre. Pourquoi Link il écoute pas? Non mais tu restes en haut. Putain! Ah. Mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est censé être insoufaisable ça? Il n'y a pas un autre accès? Ouais, il y a... Non, non, en fait... Il y aurait peut-être là, tiens, mais... J'ai des doutes. Ah, ou alors je peux passer par là pour aller là-haut. Utiliser la liane. Ouais, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Depuis le début. Je me fais chier sur le mauvais pan de mur. Génial. Allez, crève. Parce que tu m'énerves. Pourquoi j'en viens là? Allez. Cette fois-ci, je vais bien le faire. Donc, il faut que j'aille en haut. Au lieu de ça, moi je suis tourné, j'ai fait la... J'ai fait la merde, quand même. Allez, hop. Depuis le début, je me fatigue sur le mauvais mur. C'est génial l'impression que t'as de perdre du temps et de l'énergie, surtout. Parce que... J'ai la gorge en feu, là, à force de m'énerver. Mais pourquoi il a pas sauté ce con? Ça tu vois c'est des trucs qui m'énervent. Tu appuies sur le bouton pour sauter mais ça saute pas. Non, ça continue de courir et une fois que c'est tombé en bas, ça saute. Ça plus les frises. Je ne comprends pas pourquoi je frise. Je n'ai rien d'ouvert. À part ça et Fraps. Possible. Je me demande si je peux attraper cette liane. Mais évidemment non! Mais arrête de laguer! Arrête! Mais qu'est-ce qu'il a? C'est pas possible à la fin! Mais tout de même... Là, je ne sais pas quoi faire. Ah bah ouais, utiliser l'alien qui est là. Mais putain de lag de merde, j'en ai marre. Oh putain que j'en ai marre. Bon. Vous savez quoi? De toute façon, cet épisode a déjà duré assez longtemps. Je suis au bord de la crise de nerfs, je n'arrête pas de faire des fails, ça lag. Minecraft va encore lâcher si ça se trouve. Donc je vais mettre fin à cet épisode infernal et je vous promets que le prochain sera meilleur. Pitié, ne vous désabonnez pas, j'ai besoin de vous. Allez, à la prochaine.